Entre ses différentes façades maritimes et les îles qui parsèment son littoral, la France compte environ 5500 km de côte et dispose sans aucun doute de l'un des plus beaux terrains de jeu de la planète pour la pratique de la voile. C'est parti. Alors un grand coup de barre vers toi, un empoigne vers toi. À l'instar de nombreuses disciplines sportives, l'apprentissage de la voile peut s'envisager dès le plus jeune âge. Et pour débuter, rien de tel que ce tout petit bateau, un dériveur conçu en 1947, l'Optimiste, à la barre duquel des générations de plaisanciers, de régatiers ou de coureurs au large ont été initiés aux rudiments de la navigation. Hein, Lucas, regardez, c'est la place aux copains qui est à l'intérieur. Allez, prétendir. Aujourd'hui, le charme et les vertus éducatives de l'Optimiste continuent d'opérer, notamment au sein des écoles françaises de voile, lieu privilégié pour tirer ses premiers bords sous la conduite de moniteurs diplômés. On y va ? Allez, en avant ! Bah ouais, et Henri et Octave, vous faites quoi là ? Tac ! Donc être moniteur de voile, c'est apporter du plaisir aux pratiquants qui vient s'inscrire pendant son stage ou à l'année, lui apporter des sensations, lui enseigner la voile de façon performante pour qu'il puisse être autonome dans un second temps et par la suite sur le long terme. Allez les gars, visez bien la droite de la bouée jaune. Anne, Violette, relâchez un peu votre voile. Hector, pareil. On donne des cours à tous les niveaux, à tout type d'âge. Donc ça va du jardin de la voile, 5-6 ans, jusque... On n'a pas vraiment de limite d'âge sur plusieurs supports différents, que ce soit du monocoque, du multicoque, de la planche à voile. Et parmi les missions qui incombent au moniteur, il y en a une essentielle, dont l'importance est capitale. Il est à l'ancre, et ben on vise lui. Alors effectivement, les problèmes de sécurité, ils se posent en mer, parce que bah, la mer, c'est pas un élément naturel pour l'homme. On est amené à souvent être sur la sécurité. Je dirais que c'est l'une des choses qui est prioritaire sur notre enseignement. Donc ça passe en premier lieu et ensuite, on est amené à procurer les sensations, la découverte et par la suite, la performance. Reconnu par le ministère de la Jeunesse et des Sports, le label École française de voile est délivré et contrôlé par la Fédération. Chaque année, ces écoles accueillent plus d'un million de personnes assurées de recevoir une prestation de qualité. En termes d'enseignement, avec la fédération et tout le système pédagogique qui a été mis en place, moi je trouve qu'il est très, très avancé hein, par rapport à d'autres pays européens, parce que je me balade de temps en temps. Hein. La passion fait que chaque fois qu'il y a des bateaux, je suis intéressé. Et c'est vrai qu'on est assez regardé. On est assez regardé sur toute cette pédagogie qui a été mise en place pour les stages, pour faire apprendre la voile aux jeunes. La Fédération française de voile compte 260 000 licenciés. Elle regroupe 432 écoles françaises de voile et 1076 clubs répartis sur l'ensemble du territoire. Passez le tremplin initiatique que représente l'école de voile. Si vous décidez de pratiquer la discipline en compétition, c'est généralement vers les séries de la voile olympique, et plus particulièrement celle des dériveurs, que vous vous orientez. Les membres des équipes de France féminine et masculine ont rarement échappé à cette règle, même si d'autres facteurs ont été déterminants dans leur parcours. J'ai commencé un peu comme tout le monde en école de voile sur un stage d'été. De fil en aiguille, j'ai continué, j'ai commencé la compétition vers mes 11 ans sur Optimiste, puis je suis passée en 4-20 et puis la série 4-7 ensuite. C'est une affaire de famille, hein, ça. Mon père en faisait, mes grands-parents en faisaient aussi, mon oncle. Et donc du coup, ils m'y ont mis dès l'âge de 6 ans, j'ai commencé, hein, j'ai fait mes premières régates à 8 ans. Ma grand-mère payait un stage à tous ses petits-enfants à l'âge de 8 ans, un stage de voile. Ma grand-mère qui habite en Bretagne. Et c'est vraiment à l'âge de 11 ans que j'ai accroché parce qu'il y avait une classe sportive à Cergy-Pontoise sur les étangs de Cergy. Donc voilà, c'est comme ça que je suis parti là-dessus. Je suis né à Tahiti sur un bateau, sur le bateau familial. Et j'ai vécu de 0 à 18 ans sur le bateau familial. Donc bon, je suis tombé dedans. En préambule à toute autre considération, la curiosité nous pique aussi de savoir comment ces compétitrices et compétiteurs expliquent leur attirance pour ce sport. On est dépendant du vent,
et il faut que le vent prenne dans les voiles pour faire avancer le bateau. Moi, ça me plaît vraiment d'être sur l'eau avec les éléments et d'être à l'extérieur, de prendre le soleil, les embruns et tout ça, c'est vraiment ce qui me plaît. L'appel de la mer se fait tout le temps, quoi. C'est-à-dire que même si je ne fais pas de compétition, je suis toujours dans la mer, soit sur un bateau, soit je vais faire du surf, soit je vais faire du wake ou de la pêche. Mais la mer reste un élément vraiment prépondérant pour moi. C'est ce qui me permet d'être moi. Ce que j'aime bien aussi, c'est le côté stratégique, tactique, qui est quand même assez important. C'est pas juste les muscles, c'est aussi la tête. Donc ça, c'est vraiment un côté que j'aime bien dans la voile. Il y a beaucoup de réflexions à avoir. Faut réfléchir à beaucoup de paramètres en même temps. Faut toujours penser à l'aspect physique, tout en pensant quand même à la direction du vent, à la position des autres adversaires. Penser à la prochaine bouée, il y a quand même beaucoup de choses auxquelles il faut réfléchir. C'est vraiment un truc qui m'est venu comme ça, et je pense que ça c'est quelque chose qui est important parce que du coup ça a toujours été spontané, j'ai jamais été forcé de faire ça et ça m'a toujours plu, donc voilà, c'est comme ça que je suis venu à en faire de plus en plus et je me sens bien là-dedans et j'ai un peu envie d'en faire ma vie, quoi. Ouais. La voile olympique comporte 10 séries, 5 chez les hommes, 4 chez les femmes et une mixte. Parmi les 5 séries masculines, 3 sont courues en solitaire, la planche à voile, le fin et le laser. Les deux autres sont courues en double, le 470 et le 49er. Parmi les 4 séries féminines, 2 sont courues en solitaire, la planche à voile et le laser radial. Les deux autres sont elles aussi courues en double, le 470 et le 49er FX. La série menée en équipage mixte se court quant à elle sur un catamaran à foil, le Nacra 17. La voile olympique est fondée sur la monotypie, principe selon lequel les concurrents rivalisent les uns avec les autres dans leur série sur des bateaux strictement identiques et s'affrontent sur le même parcours autour de bouées qui déterminent différents angles de navigation. Autrement dit, il s'agit de la compétition nautique dans son expression la plus absolue, très haut niveau d'adversité et exigence de tous les instants. Jean-Baptiste Bernaz, spécialiste du laser. Moi, j'ai toujours aimé la compétition et la compétition, pour moi, elle a de sens que s'il y a beaucoup de gens autour de moi pour essayer de me battre, en tout cas. Et puis, au niveau physique, c'est quand même la position de base en laser, ça s'appelle le rappel, c'est-à-dire qu'on est tout à l'extérieur du bateau sans être tenu par un câble, donc on est tenu que par nos muscles. Et donc à partir de là, on essaye de faire contrepoids et ça fait mal, quoi, ça brûle. Donc là, c'est de la gestion et c'est pour ça, il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner, quoi. Camille Lecointre, elle, exerce ses talents en 470. Elle nous explique les raisons qui ont motivé sa décision de naviguer sur ce dériveur. Je crois que je suis pas trop une solitaire dans l'âme. C'est pour ça que je me suis orientée sur un support double, comme le 470. Et ensuite, on ne voit pas très bien, mais vu ma taille, en fait, j'avais pas trop le choix du support. Donc j'étais un peu prédestinée à faire barreuse de 470. Championne du monde en 2015 et médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Rio avec Hélène de France, Camille fait désormais équipe avec Aloïse Retornaz. Former un duo gagnant n'est pas toujours évident. Alors comment choisit-on un équipier, une équipière en l'occurrence, pour performer en 470, bateau qui s'avère très technique en régate? Quand on s'associe, on cherche quelqu'un qui va mettre le même investissement que nous dans l'aventure. Il y a aussi parfois des histoires de gabarit, hein, faut pas non plus des fois l'oublier. De m'associer avec Aloïse, c'était une évidence. Hein. C'est la meilleure équipière du moment. Elle a eu des très bons résultats chez les juniors et sa motivation laissait aucun doute. Un équipage, il faut qu'il soit polyvalent. Il ne faut pas qu'il marche que dans un mode de fonctionnement. Il faut qu'il soit capable de s'adapter aussi selon les conditions de vent. Et du coup, c'est important déjà d'être complémentaire et puis de quand même avoir les mêmes principes de fonctionnement, quoi, et avoir un peu la même mentalité, quoi. C'est,
C'est beaucoup plus facile pour se comprendre tout au long de la préparation olympique parce que c'est quand même long une préparation olympique, donc il faut, faut être sur la même longueur d'onde quand même. Et sur la même longueur d'onde, Kevin Péponnet et Jérémy Mion le sont, à n'en pas douter. Champion du monde de 4,70 en 2018, ils mettent tout en œuvre pour mener à bien leur quête du Graal olympique. Ancien membre de l'équipe de France, Philippe Mourniac est l'entraîneur de Kevin et Jérémy. Au quotidien, c'est une grosse présence auprès des athlètes déjà. C'est-à-dire que de très tôt le matin, je suis à côté d'eux, que ce soit pour les réveils musculaires ou leur séance de prépa physique. Ensuite, c'est pas mal de réflexions sur des aspects matériels. Il y a une définition de stratégie de ce qu'on va aller faire sur l'eau, de ce qu'on veut tester. Et donc ensuite, il y a du temps, bien sûr, passé sur l'eau, à essayer de comprendre un petit peu ce qu'on est en train de mettre en œuvre et en train d'essayer. Sur le deuxième pré, je pense qu'il y avait un ménage à faire, vraiment en suivant les oscillations, quoi. Et puis alors le soir, on essaye de vraiment de dérusher tout ça, d'essayer de comprendre et de synthétiser la journée et pour pouvoir ensuite faire un retour aux athlètes le plus concis possible. Comme dans beaucoup d'autres disciplines sportives, la relation entraîneur-athlète demeure une composante fondamentale dans la recherche de la performance. Philippe, il a un rôle hyper important dans la critique de notre travail, je pense. Un petit regard extérieur par rapport à ce qu'on fait et ce qu'on entreprend. Il a un rôle dans le développement technologique, dans nos réglages, en observant nos adversaires et en réussissant à nous dire comment on est par rapport aux autres sur le moment, pour monter un plan aussi d'entraînement et organiser une saison pour nous aider à faire tout ça. C'est sûr que c'est un peu celui qui nous aide à tout chapeauter dans notre projet, quoi. C'est un trio hein, qu'on forme, donc ça fait vraiment partie de notre équipage. Il faut bien s'entendre dès le début avec lui et qu'il n'y ait pas de tension. Et s'il y en a, il faut qu'on soit franc et qu'on se les dise, qu'on se regarde entre quatre yeux et qu'on se dise les choses, quoi. Et puis Mourniac, moi, je le connais aussi depuis des années. Il a fait des préparations olympiques aussi, donc c'est le meilleur coach qu'on ait pour nous accompagner dans cette quête de breloque olympique, quoi. Depuis plusieurs décennies, les équipes de France de voile s'illustrent sur tous les plans d'eau du globe. On ne compte plus les titres mondiaux remportés par le duo Billy Besson-Marie Rioux en Accra 17, sans oublier les titres olympiques, comme ceux de Faustine Meret ou Charline Picon en planche à voile, qui sont encore dans toutes les mémoires. Double champion olympique en 1988 à Séoul et en 1992 à Barcelone, Nicolas Hénard est aujourd'hui à la tête de la Fédération française de voile. On est une grande nation de la voile. Et en cela, donc, on a une sorte de culture et de structuration de la démarche de haute performance qui est plutôt exemplaire et observée par nos voisins, les différentes fédérations. Et puis, on est une fédération performante au niveau des résultats sportifs internationaux. Depuis 1972, les équipes de France de voile ont décroché 16 médailles olympiques. 20 médailles ont été obtenues au championnat du monde depuis 2013. La voile française de haut niveau peut s'appuyer sur 4 pôles France. L'École nationale de voile et des sports nautiques contribue, elle, au développement de la voile et du nautisme, tant au niveau des loisirs qu'à celui de la compétition. Le développement des activités nautiques, et l'essor de la voile en particulier, doivent beaucoup à cet homme-là. Ses exploits océaniques ont fait sensation en France et fortement contribué à l'apparition de la voile en une des journaux. Véritable figure tutélaire de la course au large, Éric Tabarly a entraîné plusieurs générations de marins dans son sillage et a grandement influencé le monde de la voile professionnelle. D'une certaine manière, les pôles d'entraînement comme celui de Port-la-Forêt dans le Finistère constituent une sorte d'héritage culturel. Le pôle Finistère course au large, donc qui est un pôle France de la Fédération française de voile, donc est chargé en fait de détecter, de former et d'accompagner en fait sur une logique de carrière les sportifs de haut niveau en course au large. Le pôle Finistère course au large, agréé par le ministère des Sports depuis 1995, est une structure unique en Europe.
Il peut accueillir des sportifs de haut niveau en formation initiale ou des marins confirmés. Donc nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir le président de la Fédération française de voile. De nombreux régatiers sont venus y faire leurs armes avant de briller au plus haut niveau. On y entre sur dossier, parfois sur concours, dans un seul but, celui de se confronter à l'élite et de bien figurer sur les grandes courses. Voilà, bon brief à tous. Ici, c'était vraiment l'exemple d'une réussite française, une capacité à allier de la haute performance, de l'économique, du développement d'un territoire. Quasiment tous les champions de course au large français, donc les meilleurs mondiaux, sont passés dans cette structure. Et notamment, les 5 derniers vainqueurs du Vendée Globe. Le pôle Finistère course au large peut aussi s'enorgueillir de 4 vainqueurs de la route du Rhum et de 22 victoires sur la solitaire du Figaro. Moi, j'ai tout appris ici au pôle. J'ai commencé il y a maintenant un peu plus de 15 ans, en étant avoir gagné une sélection qui m'a permis justement d'intégrer le pôle Finistère, de rentrer dans le circuit professionnel et puis de participer à toutes les formations à terre et en mer. Donc voilà, sur tous les rudiments de la course au large, ça va de la gestion du sommeil, la nourriture, la météo, le technique, et puis après, ben, bien sûr, la confrontation avec les autres skippers. À l'époque, c'était Michel Desjoyeaux, Jean Le Cam, Roland Jourdain, qui étaient voilà, les référents Figaro, et du coup, ben, ça permet très vite de rattraper, en tout cas d'acquérir beaucoup d'expérience et de voir un peu ce qui se fait de mieux, et de travailler justement dans le haut niveau. On voit ta prise de riz sur le J3, c'est vrai que c'est vu comme ça, ça fait vraiment propre. Parce que là par exemple, ce Pierre, là, on voit que t'as quand même pas mal de chariots. Toute la performance que j'ai pu développer pendant toutes ces années et depuis le début vient pour beaucoup des stages que j'ai pu faire ici, de la confrontation avec les autres coureurs. Et puis quand on a un petit peu plus de bouteilles comme moi aujourd'hui, ben, on joue aussi à livre ouvert. On partage son expérience avec les jeunes loups, donc on est tous dans une démarche de partage et de performance. Né en 1993, Loïs Béréard incarne cette jeune génération de coureurs au large auquel Jérémy Bayou fait allusion. Le premier gros avantage du pôle, c'est le groupe. On a un groupe qui est hyper étoffé avec des coureurs qui ont beaucoup d'expérience. Donc déjà, les coureurs qui ont beaucoup d'expérience nous apportent à nous, en tout cas les jeunes, beaucoup de retours d'expérience. On écoute tout ce qu'ils disent pour s'enrichir de plein de conseils. Et puis après, bah, on a un vrai suivi. On va sur l'eau, on navigue, on débrief. C'est un centre d'entraînement spécialisé dans la voile, donc c'est un truc unique, quoi. L'échange, le partage d'expériences sont historiquement la marque de fabrique du pôle Finistère course au large. Les bienfaits de cette philosophie érigée en principe, Michel Desjoyeaux les a éprouvés plus qu'à son tour. Spécialiste de l'exercice en solitaire, il possède l'un des plus beaux palmarès de la voile française. Le solitaire au large, c'était un truc d'artiste, c'est devenu un truc très rationalisé. Aujourd'hui, un jeune qui arrive au centre d'entraînement, ici à Port-la-Forêt, il va apprendre en 2 ans ce que nous, on a peut-être mis 10 ans à apprendre. Tout en naviguant avec son savoir-faire et sa culture d'origine, souvent issue du dériveur et de l'olympisme, pour certains. Et puis en bénéficiant aussi de l'expérience de gens plus aguerris, qui sont peut-être passés sur plus de supports, sur des grands multicoques, sur des grands monocoques. Et une fois en compétition, bah, chacun reprend sa liberté, son autonomie, et que le meilleur gagne. Mais en attendant, on a prouvé ici qu'un marin en solitaire en course au large pouvait s'entraîner contre ses futurs concurrents et que c'était gagnant-gagnant pour tout le monde. Prétendre au plus haut niveau est un choix. Et intégrer un pôle d'entraînement comme celui de Port-la-Forêt est synonyme d'un réel engagement. Les jeunes qui arrivent ici, donc il y a un côté un peu monastère à Port-la-Forêt parce qu'il n'y a pas grand-chose autour en termes de distraction. Donc le matin, ils se lèvent, ils pensent bateau, ils déjeunent bateau, ils dînent bateau, ils dorment bateau et le lendemain ça recommence. Ils pensent qu'à ça pendant des années. Et puis après, il y a aussi un côté visionnaire aussi à un sportif et un champion. Il a une vision de son activité qui est forcément un peu innovant, donc et ça fait partie aussi de notre quotidien, c'est-à-dire faire de l'instruction mais en même temps garder l'intuition, l'émotion, le style de chacun intact. La course au large en solitaire, une spécialité française.
L'engouement du public pour les grandes épreuves comme la solitaire du Figaro, la route du Rhum ou le Vendée Globe s'explique par la simplicité de leur concept. Une course, un homme, un bateau. De quoi alimenter l'imagination. Mais Franck Camas et Charles Caudrelier ont aussi prouvé que des skippers français pouvaient s'illustrer sur les grandes courses autour du monde en équipage. Et puis, évolution des mentalités oblige, il a été acté fin 2018 que la course au large allait devenir une discipline olympique, à la satisfaction du plus grand nombre. La différence entre l'olympisme et la course au large, aujourd'hui, moi, je n'en vois plus. C'est des pratiques de haut niveau. C'est vraiment la quête de la très haute performance avec des aspects technologiques extrêmement développés. Et c'est un peu le même sujet avec d'autres moyens et puis pour d'autres bateaux dans l'olympisme. Mais c'est la même recherche de l'efficacité maximale, de la haute performance, des organisations hautement performantes. Les deux mondes ne sont plus opposés, en tout cas en France. Et puis maintenant, au niveau international, ne sont plus opposés, puisque c'est l'international qui a accepté de ce programme olympique de course au large en disant mais ça fait partie de la pratique. Il faut qu'elle soit représentée. C'est plus de 50% de la pratique mondiale. Il faut qu'elle soit au moins sur une épreuve au JO. Et ça, c'est une énorme avancée pour tout le monde. C'est, je pense, une fantastique reconnaissance pour le travail qui a été fait en France depuis 20 ans. Et aussi pour les coureurs qui ont valorisé à l'étranger ce savoir-faire, qui ont montré que c'était médiatiquement c'était exceptionnel, sportivement c'était exceptionnel. On est passé de l'aventure au sport. Donc c'est pour ça qu'aussi qu'aujourd'hui, l'olympisme nous intègre, parce que c'est plus une aventure vraiment, c'est du sport de haut niveau. Faire de la course au large en équipage réduit aux Jeux Olympiques, on se dit bah, on a une chance incroyable de pouvoir performer. En même temps, il ne faut pas imaginer qu'on est plus malin que les autres et qu'on est meilleur que les autres. On a juste un petit peu plus d'expérience, il faudra capitaliser dessus. Et les autres nations vont très vite s'adapter parce qu'ils ne sont pas plus cons que nous. Donc il ne faut pas qu'on s'endorme sur nos lauriers. Ce qu'on voit ici à Port-la-Forêt avec l'arrivée des Jeux Olympiques et d'une épreuve de course au large, c'est aussi une super opportunité de mettre notre sport en général en avant, pas juste l'olympisme, pas juste la course en solitaire. Et là, ça va nous permettre de mettre un focus worldwide sur ce sport et sur cette activité-là. Donc moi, je trouve ça génial. La voile est en mutation permanente. En course au large comme en voile légère, les supports ne cessent d'évoluer. Les foils, ces appendices destinés à soulager la coque des bateaux et à limiter la traînée hydrodynamique, ont révolutionné les pratiques. À certaines allures, dont du vent de travers et du vent portant, les bateaux gagnent en vitesse et se mettent littéralement à voler. Des disciplines en vogue, le kitesurf par exemple, voient le nombre de leurs adeptes se multiplier. Le kitesurf, qui lui aussi a reçu l'approbation olympique. Et les spécialistes français, souvent au sommet de la hiérarchie mondiale, ne peuvent que s'en réjouir. Mais la voile sportive, qui plus est de haut niveau, ne doit pas faire oublier qu'au départ, il est surtout question de loisir et qu'il n'y a pas d'âge pour s'adonner au plaisir de la navigation. Allez, je vous laisse déclencher entre vous. Oui. Hein, vous faites comme si j'étais pas là. Voilà, super. On propulse un bon coup. Comme ça, on va bien la ramener pour pas qu'elle tombe. Jean-Claude Pellegrini et son épouse Marie font partie de ces plaisanciers qui ont franchi le pas sur le tard. On peut dire que c'était une passion qu'on avait depuis longtemps, mais que nous n'avions jamais concrétisée. Du fait que nous sommes maintenant tous les deux à la retraite, un jour on s'est dit, alors on achète un bateau ou on n'achète pas un bateau? On s'est dit, bon, on achète un bateau. Seulement voilà, la décision prise d'acquérir un voilier, il fallait juste régler un petit détail. Moi, n'ayant jamais pratiqué la voile, un bateau, c'est quand même un certain investissement. En plus, bon, je tiens la vie. Donc, on s'est dit, bon, on va peut-être faire de la voile, mais avant de se lancer, je dirais même à faire du cabotage, hein, au moins prendre quelques cours. Jean-Claude et Marie ont donc fait appel à un coach plaisance, un professionnel sélectionné par la Fédération française de voile, pour une formation adaptée à leurs besoins. On essaye de coller le plus près possible au projet des gens qui souhaitent ce cours. Ça va de manœuvre de port jusqu'à des empannages sous spi si la personne souhaite progresser dans cet axe-là. Alors, la question c'est, au milieu. La première question c'est à quelle allure on est au travers. Au travers. La deuxième question c'est du coup, à cette allure, comment on règle nos voiles? On la ramène à fond. Il faut apporter beaucoup de sérénité parce que c'est un stress d'avoir un bateau à sa charge et de devoir le faire fonctionner et de ne pas l'abîmer. Il y a trois devants là? Pourtant il y a moins que la dernière fois, la Marie. Hein?
Moi, je vois leur progression, peut-être d'avoir un œil extérieur, comme ça, moi, je vois très bien qu'entre les premières séances et aujourd'hui, ils sont déjà rentrés dans la plaisance et ils savent sortir leur bateau, manœuvrer, naviguer. C'est une grande fierté de voir que ce qu'on fait, ça fonctionne. Retour au port pour notre couple de débutants qui va patienter un peu avant de se lancer dans une transat. Par-dessus, normalement, elle devait être prête. Mais voilà qui illustre bien la voile dans toute sa diversité. Ok. De la croisière, pour le plaisir d'explorer les mers à travers des promenades en douceur, aux sensations fortes de la compétition à tout niveau, tout est possible, tout est accessible. La voile présente cet avantage de pouvoir se décliner selon les envies de chacun.